Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait déclaré que l'Ukraine n'était pas prête à abandonner son territoire pour mettre fin au conflit avec la Russie. Il a indiqué que l'armée ukrainienne était prête à combattre les forces russes dans la région du Donbass dans une bataille qui, selon lui, pourrait influencer le cours de la crise. Le premier ministre ukrainien affirme que Mariupol n'est pas tombée. Il dit que les forces encerclées qui défendent la ville contre les attaques russes se battront jusqu'au bout. La Russie indique, elle, que ses troupes détiennent la majeure partie de Mariupol et qu'il ne reste qu'un petit contingent de combattants ukrainiens.